Salut à tous, c'est Eric Le Gauche et Galaga Musique. Aujourd'hui pour vous, une pièce magnifique. Il s'agit d'une passacaille ou passalia en italien. Il s'agit initialement d'une pièce écrite par Handel dans sa suite numéro 7. Et la version qu'on va voir aujourd'hui est une réécriture un petit peu simplifiée de l'arrangement qu'en avait fait le compositeur et chef d'orchestre norvégien Johan Halvorsen. Si vous souhaitez suivre le cours avec plus de facilité, vous pouvez acquérir la partoche chez Noviscore. Je vous ai mis le lien dans la boîte de description. Il s'agit de la partoche de niveau 2. Et si vous ne lisez pas la musique, c'est pas grave, on va voir ensemble tranquillement la bonne méthode pour arriver à jouer ça. Si l'intro vous a plu, n'hésitez pas tout de suite à laisser votre petit pouce bleu. Et puis je vous propose qu'on s'y mette directement, donc c'est parti, on se retrouve au clavier. Alors la meilleure méthode pour être efficace au piano quand on attaque un morceau, c'est tout de suite de travailler main séparée. C'est ce qu'on va faire en démarrant par la main gauche, ce qui permettra de comprendre le mécanisme un petit peu de cet accompagnement. Alors évidemment, comme d'habitude, on repère ici le petit point bleu, qui s'apparente plus à une tâche en fait, hein, qui vous désigne surtout où se trouve le do du milieu, c'est plus facile comme ça de s'y retrouver. Alors, la main gauche, elle va démarrer sur la note La. Alors, c'est pas ce La tout de suite en dessous du Do du milieu, mais c'est le La une octave en dessous. Voici le schéma qui dure deux mesures et qui couvre, si jamais vous avez acquis la partition, la partie A. Ça. Tout de suite, j'appuie la pédale pour avoir un petit peu de corps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Alors, je place le 5 sur le La. Ensuite, je vais utiliser le 2 sur le Mi. Le La au pouce à l'octave. Re la note Mi. Et c'est là justement que vous aurez le choix. Sur la partition, ils ont mis un 3, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce qu'après, on va être obligé de tirer le pouce jusqu'au Do. Et ça fait faire quand même un grand écart. Moi, perso, je préfère l'option de conserver le 2 malgré tout, parce que comme ça, il y a une note avec un doigt qui lui est associé, ce qui évite comme ça de changer en cours de route. Donc ça donnerait ça, du coup, avec que l'index, La, Mi, La, Mi, Do. Mais ça fait tirer loin. Si vraiment ça ne vous plaît pas cette option-là, vous mettez le 3 à la place. Pour les explications néanmoins, je vais quand même utiliser l'option du 3, d'accord? Comme ça, vous avez vraiment un modèle qui fonctionne bien. Alors, c'était donc les 5 premières croches, il nous en manque 3. Je les refais. 1, 2, 3, 4, 5. Dès qu'on a joué le Do, on va rejouer le Mi au 3. Le pouce redescendra sur un La. Et on replacera le 2 à nouveau sur le Mi, fin de la séquence. La, Mi, La, Mi, Do. La, Mi. Et ça, vous le faites tourner longtemps, d'accord? Pas vite, et surtout bien régulier. 1, et 2, et 3, et 4, et... Vous voyez ma main, elle bouge pas, je fais pas des mouvements comme ça avec le poignet ou quoi, je tire sur mes doigts, et je ne bouge pas, parce qu'après dans la vitesse avec la main droite, ça risquerait de partir en sucette. Vous saurez que vous connaissez le schéma quand vous pourrez le jouer sans regarder. Donc la même, genre regardant au-dessus. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Si vous le jouez comme ça, c'est que c'est bon, c'est ancré, vous n'aurez plus besoin d'y réfléchir. Donc cette mesure-là, vous faites deux fois, comme je vous disais, et vous avez fini la partie A. Génial. Ensuite, partie B, qui dure 8 mesures. Alors, on va déjà bosser les 4 premières positions de main gauche, les 4 premières mesures. Au départ, c'est exactement pareil que la mesure précédente. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, ça c'est bon, c'est déjà faire. Ensuite, on va reproduire le même schéma en partant d'un Ré, c'est-à-dire une quinte juste en dessous. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'on va conserver les mêmes écarts de doigts, ce qui fait que, même sans vous dire le nom des notes, vous voyez, on retrouve exactement la même chose que précédemment au niveau des intervalles. 1 et 2 et 3 et 4 et... Dès que ça, c'est bon, on va se diriger vers un Sol, juste à côté, ici. Et là, bah, c'est pareil, du coup, on retrouve les mêmes écarts. Sol, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Ré. Ok, je vous refais déjà les trois premières. La, Mi, La, Mi, Do, Mi, La, Mi, Ré. Ré, La, Sol. Et ensuite, la quatrième mesure, je vais tirer jusqu'au Do. Et pareil, mêmes intervalles. Donc, Do, Sol, Do, Sol, Mi, Sol, Do, Sol. Voilà. Donc là, au niveau de la pédale, je la change dès que j'ai fait 8 croches. C'est-à-dire, au départ, je l'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'attaque mon Ré. J'attends que mon doigt soit enfoncé, parce que sinon, si j'enlève le pied en même temps que les doigts, ça donne ça. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Un gros trou, c'est horrible. Non, là, ce qu'on veut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Donc le pied arrive toujours en retard, hein. 7, 8 par rapport au doigt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on verra ensuite ce qui se passe pour les quatre mesures restantes. Alors la main droite, c'est trop joli et c'est un petit peu moins embêtant que ce qu'on a fait là pour la main gauche. Ça donne ça déjà. Ok. Alors, je vais placer mon pouce sur le Do une octave au-dessus du Do du milieu, d'accord? Et je vais faire ça. Do. Ça, c'est la première mesure de la partie B. Hein. Dans la partie A, il n'y a que la main gauche. Donc, première mesure, partie B. Do. Do. Si. Do. La. Do. Sol. Do. C'est rigolo? Do. Do. Si. Do. La. Do. Sol. Do. Ensuite, la mesure où la main gauche part sur le Ré, on va faire Fa. Do. Mi. Do. Ré. Do. Do, Do. Ouais, toujours ce petit doigt qui reste en haut et le pouce qui fait sa mélodie descendante. Je vous refais les mesures 1 et 2 de la partie B. Do, avec un petit coup de pédale. Do, Do, Si, Do, La, Do, Sol, Do. J'attaque le Fa, hop là là. Je change la pédale, hop là là. Et après c'est pareil, on décale ça une touche à gauche, donc sur Si, Si, et je vous le donne en mille. Si, La, Si, Sol, Si, Fa, Si. Ensuite, mesure 4, quand la main gauche fait Do, on ira sur Mi, Si, Ré, Si, Do, Si, Si, Si. Donc ça, pareil, vous le travaillez déjà que à une main. Fa, Si, Mi. Donc là, la mélodie, je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle reste tout de suite dans l'oreille, parce que justement, c'est un schéma donné au début qui se reproduit mesure après mesure. On appelle ça une marche d'harmonie, et c'est très chouette. Alors avant de mettre les mains ensemble avec les deux mains comme on a vu, on va juste repérer les premiers temps de chaque mesure de main gauche. Premier temps de la mesure B, on avait le La, après on a dit qu'on avait le Ré, après on avait le Sol, et après on avait le Do. On va essayer quelque chose, on va garder enfoncé chacune de ces fondamentales pendant 4 temps, et on joue la main droite par-dessus, comme ça, ça fait joli tout de suite. Ah bah, faut bien s'auto-encourager, hein. Donc genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais attaquer le Fa à la main droite, j'attaque le Ré à la main gauche. Ouais, ça commence déjà à sonner. Après, six mains droites, oui, Sol, main gauche. Et puis Do, main gauche, avec Mi, main droite. Encore ça? Ah, c'est un peu rapide, désolé. Je m'emportais. Voilà, ça sonne, on est content. Maintenant, on va essayer avec le vrai texte de la main gauche qui donnait ça. Je vous le refais un petit coup. La, Mi, La. Mi, Do, Mi, La, Mi, Ré, La, Ré, La, Fa, La, Ré, La, Sol, etc. Ok, on essaie déjà la mesure de La mineur. Mains ensemble, première mesure, partie B. La main gauche, Do, main droite. C'est à cet endroit-là qu'il faut placer le 3. Je refais. Encore ça. Je le fais tourner en boucle. Ça vaut le coup que vous passiez du temps sur cette première mesure, parce que si vous l'avez, vous avez compris en fait le mécanisme digital, et ce sera beaucoup plus facile de balancer les mesures suivantes mains ensemble. Alors, je refais cette première mesure et j'enchaîne sur la suivante. Donc là, on était sur Do, main droite, la main gauche. Après, j'attaque Fa, pouce, main droite avec Ré, main gauche. Une
et je fais le premier temps de la mesure d'après, si main droite, sol, main gauche. Bon, bah, décidément, j'ai tiré un petit peu plus loin à chaque fois. Voilà, donc là-dedans, n'hésitez pas à scinder la mesure. Par exemple, la mesure de la mineure, là, la première, vous faites genre les quatre premières croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que, voilà, tout soit bien géré, notamment l'histoire du 3, si vous choisissez de le placer. Et après, vous en rajoutez 2, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je refais. 1, 2, 3, 4, 5. L'idée, c'est que vous la... L'idée et l'idéal, c'est que vous la preniez vraiment par cœur. Et puis vous rajoutez les deux dernières quand vous le sentez. Et puis voilà. Du coup, je vous refais ces quatre premières mesures et on enchaîne sur la suite et fin de cette partie B. Ré main gauche, Fa main droite. Après, Si main droite, Sol main gauche. Foiré. Après, Mi main droite, Do main gauche. Ensuite, on va attaquer les mesures 5, 6, 7, 8. À la main gauche, on va faire Fa, Do, Fa, Do, La, Do, Fa, Do. Il s'agit d'un accord de Fa majeur. Après, on va retrouver le même positionnement que ce qu'on avait dans la mesure 2, à savoir Ré, La, Ré, La, Fa, La, Ré, La. Ok, on refait encore ça, mesure 5 et 6. Fa, Do, Fa, Do, La, Do, Fa, Do, Ré, La, Ré, La, Fa, La, Ré, La. Et pour terminer, enfin, on aura une touche noire. On va faire Mi, Si, Mi, Si, Sol dièse, la note dite sensible. Encore ça. Mi, Si, Mi, Si, Sol dièse, Si, Mi, Si. Et pour terminer, on retrouvera la première position, celle de la mineure. Alors à la main droite, qu'est-ce qu'on a? Mesure 5, 6, 7, 8, on va trouver La, La, Sol, La, Fa, La, Mi, La. La mesure suivante, Ré, La, Do, La, Si, La, La, La. Ok. Et le schéma change enfin, donc quand la main gauche jouera le Mi, on va faire La avec le 4. La, Sol dièse, Fa dièse, Sol dièse, La, La. Voilà. La, Sol dièse, Fa dièse, Sol dièse, La, La. Joli. Donc là, rythmiquement, c'est noir, deux croches, noir pointé, croche, et ronde derrière. 1 et 2 et 3. Vous voyez, normalement, on attaque le Sol dièse main droite avec le Sol dièse main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Bambou, passe. Tu peux passer, Bambou, s'il te plaît, sortir du cadre. Bon, vu qu'il est là, je vous le présente rapidement. C'est Bambou, voilà, c'est le relou de service, mais on l'aime beaucoup quand même. Donc je rejoue entièrement cette partie B. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Je vous montre rapidement la partie C, ça va être plus rapide étant donné que la main gauche, vous allez refaire exactement la même chose. Etc, etc. Genre, je joue cette partie C.
Donc c'est vraiment la main droite qu'il faut voir. On va démarrer par le Do, petit doigt. Et on fait ça. Do, Do, Ré, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, Do, La, Do, Si, Do. Donc c'est un peu le système inverse. Dans la première partie, c'était toujours le Do aigu qu'on faisait sonner, alors que là, c'est le Do du pouce qui revient. Fa, Sol, La, Si, Do. Donc mains ensemble ces deux premières mesures. Deuxième mesure. Ensuite, main droite, mesure 4, 3 et 4, pardon, on va faire Si, Si, Do, Si, Ré. Même délire. Je monte touche après touche. La, Si. Avec les deux mains. Sol en bas, Si en haut. Ah ouais, alors sur la partoche ici, la première mesure de la deuxième page, ils ont viré la dernière croche à la main gauche. Genre 1 et 2 et 3 et 4 et au lieu de rejouer le Ré. Parce qu'effectivement, après, il faut aller vers un Do grave. Si vous le sentez, vous jouez la note normale, hein, c'est-à-dire comme je vous l'ai montré dans la partie précédente. Alors, pardon. 1, 2, 3. Ensuite, les mesures 5 et 6, ça donne la petite doigt à la pouce. La, Si, La, Do, La, Ré, La, Mi, La, Fa, Sol, La. Avec ça, à la main gauche, on avait la mesure de Fa, puis la mesure de Ré. Et je termine, bah, comme tout à l'heure. Et vous reprenez du début, enfin en tous les cas, à partir de la partie B. Alors, je vous récapitule tout ça, partie A, B, C. J'irai pas plus loin, parce que sinon, la vidéo, c'est un peu long à chaque fois, c'est embêtant. Allez, c'est parti. Partie A. Partie C. Pour le plaisir, je vous joue juste la partie D et E, comme ça, vous aurez déjà un aperçu de ce qu'il y a après. Un peu plus vite, du coup. Alors après, je sais pas si on va avoir ma main. Ah merde, on a plus de place. Pardon. Voilà, puis partie F pour terminer. Arranger la fin. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto sur cet extrait du morceau vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.